Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus. Ces derniers temps, vous allez nous voir avec Monsieur Gilbert Kongolo. Nous sommes encore passés dans ses bureaux où il a quand même certaines des idées, il a quelque chose à nous parler.
il nous a encore appelé pour que nous puissions nous entretenir de ce qu'il a à cœur. Qu'est-ce qu'il a à cœur? Il me l'a soufflé, mais nous allons y aller en détail, en long et en large. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. L'actualité ici en Afrique du Sud, comme vous le savez, c'est un monsieur qui a un service courrier que nous avions expliqué. Je crois que ceux qui nous ont suivis la fois passée ont vu comment il a présenté son business ici. C'est un entrepreneur. Et beaucoup plus l'actualité qui a écoulé cette semaine, c'était la livraison des passeports, donc la capture des passeports à l'ambassade de l'Afrique du Sud, du Congo en Afrique du Sud. Il y a eu cette opération-là. Il y a eu aussi monsieur l'ambassadeur qui est revenu de Kinshasa. Il y a eu trop de boucan autour de sa nomination ici. Nous allons en parler avec Gilbert. Gilbert, c'est quelqu'un quand même qui est branché à l'ambassade de notre pays en Afrique du Sud ici. C'est quelqu'un qui fait le business avec son entreprise. Donc, il va un peu nous en parler. Donc, nous allons ouvrir notre micro encore une fois de plus pour que nous puissions l'entendre, pour que nous puissions, qu'il puisse nous entretenir sur ces trois sujets-là. Les sujets sur lesquels, comme je vous ai dit, la venue le revenu de notre ambassadeur en Afrique du Sud, il y a aussi l'opération capture et il y a l'actualité du 30 juin. Je ne sais pas si il a quelque chose à nous dire sur cet événement qui va se dérouler dans quelques 15 jours. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 17, donc dans moins de 15 jours. Donc nous allons l'accueillir. Donc, c'est lui qui nous accueille. Quoi. Voilà, M. Gilbert, qu'est-ce que vous nous dites de l'actualité d'abord? Ce qui se passe à l'ambassade de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a remous ménage, il y a des gens. Cette dernière semaine, nous avions trouvé beaucoup de personnes sur... c'est toute une foule. On s'est posé la question si c'était encore des élections qui se déroulaient à l'ambassade de l'Afrique du Sud. Ces derniers temps, il y a eu capture des passeports. Oui. Ça fait plus de 4-5 mois où il n'y avait pas de capture. Et avec ce qui se passe ici en Afrique du Sud, on renouvelle difficilement les documents des Congolais. Il y a les enfants qui sont à l'école et il y a les entrepreneurs, les businessmen congolais. Ils ont besoin de passeports pour qu'on puisse leur mettre leur work permit, les study permit pour les enfants, ceux qui veulent voyager, ceux qui ont réussi aux loteries, Divi Loterie. Donc tous ces gens-là ont besoin de passeports. Et comme il y avait un moment, comme je le disais tantôt, un moment il n'y avait pas capture à l'ambassade. C'est pourquoi vous voyez tous ces gens-là. Et surtout quand l'ambassadeur est arrivé, il a lancé le message lui-même officiellement que les captures commencent dès jeudi. Alors tout le monde était alerté. Et c'est pourquoi vous aviez vu ce grand engouement-là à l'ambassade. Ouais. Ce n'était que pour les captures de passeports, ce n'est pas autre chose. Alors dans notre dernière interview avec vous, vous nous parliez de votre entreprise qui collabore effectivement avec l'ambassade du Congo en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les modalités pour avoir un passeport, pour les Congolais d'avoir un passeport? Il faut d'abord être Congolais pour avoir un passeport et il faut aussi le prouver. Il faut prouver que vous êtes Congolais et c'est votre droit, comme l'ambassadeur avait dit. Ce n'est pas une faveur qu'on fait aux Congolais, c'est votre droit d'avoir le passeport de votre pays. Il n'y a pas la loi qui interdit que les Congolais ne puissent pas avoir le passeport quand il est à l'étranger, sauf celui qui est réfugié. Mais pour les demandeurs d'asile, ce n'est qu'un demandeur d'asile. Il n'est pas encore reconnu réfugié. Et nous avions discuté ça avec les autorités de l'ambassade. Avant, on leur refusait. Mais maintenant, on leur accorde la capture de passeport. Et nous, c'est ça que nous sensibilisons aux tout Congolais. Tu ne peux pas venir ici, tu t'assois comme ça. L'ambassade ne te reconnaît pas. Tu ne fais même pas te reconnaître auprès des autorités. Vous devez avoir votre carte consulaire. Est-ce que donc les demandeurs d'asile aussi peuvent avoir les cartes consulaires? Pourquoi pas? Ils sont Congolais, ils sont demandeurs d'asile, on n'a pas encore accepté leur asile. C'est ce que j'ai essayé un peu de parler aux agents de l'ANR qui sont venus à l'ambassade. Qu'un demandeur d'asile n'est pas un réfugié. Si vous regardez son papier, on n'a pas écrit qu'il est réfugié. Il est demandeur d'asile. Et la demande d'asile, selon la loi de l'HCR, c'est 180 jours. Okay. On doit vous répondre. Sinon, on doit vous renvoyer dans votre pays. Mais le pays ici fait ça exprès.
quelqu'un peut être demandeur d'asile pendant 20 ans. Et il est bloqué. Oui. 15 ans, il est bloqué. Et l'ambassade ne peut pas lui refuser un passeport s'il veut aller ailleurs. Il veut aller ailleurs. Par exemple, s'il dit que je veux aller aux États-Unis, je peux aller, par exemple, en Cameroun. Vous ne pouvez pas aller, C'est la raison même pour vous ne pouvez pas aller au Cameroun avec un tenancier. Vous ne pouvez pas aller en Europe avec un tenancier. Okay. Mais si vous avez votre passeport du Congolais, vous pouvez aller là-bas. Les étudiants, il y en a qu'on a chassés à l'école parce que leur Ngunda n'est pas. Cette demande d'asile, l'aslam là, n'est pas renouvelée. L'aslam, c'est le papier de demandeur d'asile. Demandeur d'asile. Les écoles même maintenant disent aux enfants, allez dans votre ambassade, si vous avez un passeport, on va vous donner. On peut écrire au département des affaires étrangères ici pour qu'on puisse vous donner les study permit, permis d'études. Alors, si l'ambassade dit que ces enfants ici, ils sont des demandeurs d'asile, on ne va pas donner le passeport, ils doivent aller au Congo. Avec quels moyens? Payer les transports, aller au Congo, avoir le passeport, revenir ici, aller à l'école. D'ailleurs, on va lui faire entrer ici comment? Ce passeport-là doit avoir le visa. Okay. Et je pense que les gens ne doivent pas tenir rigueur aux agents de l'ANER, parce que ce sont les agents qui sont venus pour avoir cette exactitude-là qu'on ne donne pas le passeport congolais à ceux qui ne sont pas congolais. Parce qu'on a vu ça ici dans ce pays. Ici. Donc, il y a eu un problème effectivement où on refusait aux gens des passeports ici, ou bien de faire le captir. Bon, il y avait une incompréhension, mais je pense que l'ambassadeur, j'ai appris, il a eu plus de 2-3 réunions. Maintenant, les gens, par exemple, les étudiants que moi je fais voyager aux États-Unis et partout, je vous ai dit que je fais voyager les étudiants, les inscriptions. Quand ils ont besoin de passeport, j'amène là-bas sur ma liste, je propose. Nous avons les étudiants congolais, parce que moi je suis leader d'opinion, je suis dans la communauté. Exactement. Alors quand je suis à l'ambassade, je ne pars pas là-bas pour jump the queue, faire ceci. Non, je présente ma liste à l'ambassade, voici mes candidats. Ceux qui vont voyager pour la loterie, j'organise. Ceux qui étudient ici, ceux qui veulent s'inscrire à l'université, ils ont besoin de captures de passeport parce que je travaille avec eux, ils me payent et mes services, c'est de les inscrire par-ci, par-là. L'une des conditions, c'est d'avoir le passeport et je dois le faciliter aussi. Mais maintenant, j'ai appris que ça va et il n'y a pas vraiment, on respecte l'ordre, ceux qui avaient souscrit sur en ligne et les listes que nous avions introduites, on les appelle, mais nous allons demander à nos gens, notre population d'être quand même patient et d'être courtois avec les officiels de l'ambassade. Ce ne sont pas vos ennemis, il y en a qui menacent, il y en a qui disent Tokotumba, il y en a qui disent corruption, il y en a qui disent ceci, mais il faut le prouver. Donc voilà un peu, mais un coup de chapeau. Avec la masse là qui était, le foule là qui était à l'ambassade, mais sécurité, ANER, ils ont maîtrisé la situation et maintenant les choses marchent bien. Les choses marchent bien, il n'y a plus de longues queues, les queues ont terminé ou bien. Non, le problème c'est l'incompréhension qui est dans la société. Quand vous savez que vous n'avez pas booké en ligne, vous savez que vous n'avez pas enregistré. Parce qu'il y avait un problème aussi avec le booking en ligne. Non, c'était résolu déjà. On avait posé des complaintes, on a parlé que vous devez respecter les gens qui ont eu des rendez-vous en ligne. J'étais à l'ambassade, je pense, le vendredi. J'ai vu, il y a une liste des gens qui avaient booké en ligne. Et certains de mes clients, que je fais leurs histoires de voyage, ils avaient booké en ligne. J'ai vu, on les a appelés. J'ai appelé aujourd'hui, ils étaient servis, coup de chapeau. Ok, merci. Donc les Congolais qui ne sont pas ni en ligne, bouqués en ligne, ni qui se sont enregistrés, mais ils viennent seulement qui tâtent ma chance, comme on dit ici. Ils viennent tenter la chance. Ce sont eux qui font que vous voyez ce débordement-là. Mais si les Congolais peuvent respecter les rendez-vous, le booking en ligne et autres, je pense que ça peut aller très bien. Et je dois aussi aider les gens de l'ambassade. Il ne faut pas laisser les gens venir seulement. Ils sont en ligne là-bas. Vous appelez ici, celui qui est là-bas, au fond, n'écoute rien. Ce qu'il faut faire, je propose à nos agents de l'ambassade, il faut faire même 3 ou 4 queues. Cette ligne ici, et c'est pour les gens qui ont les rendez-vous. L'autre ligne, c'est pour les gens qui sont venus pour d'autres services, parce qu'il n'y a pas seulement la capture. Quelqu'un qui vient, par exemple, toi, il fait l'application pour un tenancier ou bien pour un carte consulaire, vous lui dites que ça n'a pas de sens. Vous faites une autre ligne pour les gens qui ont les queries. Queries, capture qui est, et ils ont donné mon année à Wate, mon année à Kishasate, et vous faites une autre ligne pour un bateau avec tenter ma chance. Okay. Ils doivent être responsables, et aussi, ça n'a pas d'autre, ceux qui m'ont ensali, ils ont sabino. Donc, c'est un peu les gens qui s'improvisent pour venir faire la capture, ce sont ces gens-là qui osent ça, qui angouent, mais ils ont là, et ils ont le corps à désordre. Mais ce n'est pas du désordre. Et combien de temps va faire à ce qu'après la capture pour qu'on puisse avoir le passeport? Vous avez une idée? Les informations en notre possession, je ne sais pas, à moins que quelqu'un puisse me contredire, on parle de 6 semaines.
6 semaines. 6 semaines, 1 mois et demi. Ok. Mais tout dépend de Kinshasa. Vous savez, on n'imprime pas les passeports ici. Et ici, c'est seulement les captures. Les données sont envoyées à Kinshasa. Et le, nous demandons aussi à nos autorités des affaires étrangères à Kinshasa qu'ils créent d'autres centres, même à Lubumbashi, Kinshasa, l'Est. Pour la diaspora, on peut nous créer notre propre centre qui peut être ici en Afrique du Sud ou bien en Europe. Parce que toutes les données allées à Kinshasa, les passeports commencent à prendre 6 mois, 5 mois. Passeport non limité. Et va donner, Bungi. C'est parce qu'on a tout centralisé. Imagine-toi avec toute cette foule qui est venue à l'ambassade et puis vous allez attendre pendant une année, 6 mois. C'est ça pas le quand même. Parce que tout est centralisé à Kinshasa. On leur demande s'ils peuvent mettre un autre centre au Katanga, par exemple, où on fait où on peut traiter, on peut imprimer les passeports. On cherche peut-être à l'Est aussi. Et puis non, ou bien peut-être fiabiliser l'imprimerie. Non, vous savez, le passeport est un document très très sensible. Exactement, mais avec le Congo où tout le monde maintenant veut devenir congolais. Donc il faut que ça soit suivi. Non, moi je me dis, parce que l'autre fois l'ambassadeur a parlé qu'il y a une certaine lenteur des machines et tout ça. Ouais. Les machines là surchauffent, tout ça, courant exacté, network et bungi. Il y a beaucoup de choses à Kinshasa. J'étais là-bas quand j'étais à Kinshasa, je suis allé au département des affaires étrangères pour voir palper des doigts ce qui se passe là-bas. Mais je vous dis que je me demande pourquoi même on n'a pas donné un marché peut-être à l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, il y a le département ici peut vous produire 3 000, 4 000, 5 000 passeports par jour. Mais à Kinshasa, je pense qu'ils ont du mal même à produire 250 passeports par jour. Et avec plus de 120 millions de Congolais, et avec la diaspora, tous les 210 pays du monde, là où ils sont les Congolais, je me demande comment ils s'en sortent. Ok, donc nous allons quand même essayer un peu d'avoir l'espoir, donc, et puis encourager notre ambassadeur de continuer à faire ce travail qu'il a commencé, et espérons que les Congolais seront servis. Nous allons passer un peu à cette rumeur qui a couru avant. L'ambassadeur a fait beaucoup de temps à Kinshasa. On ne sait pas pourquoi. Vous avez une idée? Ah bon? Il y a des informations qui sont officieuses. Il y en a qui sont officielles. Moi, je pense que l'ambassadeur avait donné une version officielle. Vous étiez là, vous, les journalistes. Et toutes ces rumeurs-là qui circulaient, personnes non ingrates en Afrique du Sud, ce sont des histoires qui ne nous honorent pas, mais qui n'avaient même pas de soubassement ou bien de bases là juridiques. Ce sont les gens qui parlaient parce que ils ont entendu, les réseaux sociaux ont parlé. Mais en bref, l'ambassadeur est là, l'affaire étrangère a écrit, il a dit que les restrictions qui étaient placées sur son nom sont enlevées. Quelles sont les restrictions qui étaient placées et qu'est-ce qui est enlevé? On a appris que il y avait des accusations qu'il y avait déjà sud-africain, alors il ne pouvait pas aller à Oua, tantôt dans un passeport diplomatique, tantôt dans un sud-africain. Mais l'histoire a été éclairée. Et puis l'homme lui a enlevé ces restrictions-là. Je pense d'ici là, l'accréditation sera là. Peut-être vous, les journalistes, vous serez invités. Je pense que c'est ça. Mais nous avions la chance d'avoir Fidèle Moulage en Afrique du Sud. C'est un don de Dieu. Vous êtes ici en Afrique du Sud depuis les années 90. Vous avez vu comment l'ambassade était comme Kikuku. Exactement. Qui n'était pas à la taille du Congo. Et quand vous y arrivez, vous n'avez pas accès à l'intérieur. Au sein de vos voisins, au Kessouba, au Kaparque, au Mokobo, au Kessou Soulagé, au Mboule, Béti, Bopoli. Mais maintenant, tout le monde a l'accès à l'ambassade. Nous avons, regardez cette bâtisse-là. Maintenant, on est fier de dire qu'on est Congolais. Exactement. Et puis, Mundela, il y a une entreprise, l'ambassade à Tali. Il nous honore. C'est vraiment la taille de notre pays. C'est la taille maintenant du pays. Moi, c'est un café aux Anomeli. Et tout ça, au Vandi, servir, tout niveau d'information, aux Anomeli besoin. Mais il ne faut pas suivre ce qui se passe pour les captures. Ce n'est pas tous les jours que l'ambassade est comme ça inondée. Non. Et ça, pour l'ambassade, il y a capture. Tant qu'on va capturer, ça, c'est au Yé. Capture en quoi aussi la colonie maintenant? Non, les captures, je pense que non, on a les gens qui sont enregistrés, ce sont eux qu'on va servir. Bateau non, bas enregistré, guité, bas acquis bouquet online, guité. Ne dépensez pas vos transports pour y aller. Non, on va servir ceux qui étaient enregistrés. Selon mes informations, tous seront servis. Il faut attendre un autre lot. De formulaire pour que les captures puissent commencer. Et les gens de Cape Town, ça ne sert à rien de payer les billets chers venir ici. Oui, les gens de Durban, on nous a informé que les captures, l'équipe de capture va descendre là-bas. Peut-être au mois de juillet, août. Attendez, l'équipe de capture va descendre là-bas. Ah, c'est tout le monde qui a besoin de passeport maintenant. nos clients des Convenance Peace Services qui sont à Cape Town, soyez tranquilles.
contactez-nous, enregistrez-vous, on va organiser les captures pour vous, même ceux qui sont à Durban. Okay. Donc, nous encourageons vraiment ce que l'ambassadeur est en train de faire. Il est en train d'amener l'ambassade aux Congolais. Okay. Au lieu que, comme c'était avant, tous les Congolais doivent venir être dessus. Maintenant, c'est l'ambassadeur du peuple, il est dans les sociales. Nous encourageons aussi nos amis qui sont venus de la culture, les chargés de culture. Mm-hmm. Ils vont bientôt commencer à venir dans la société, parler avec les Congolais, les expliquer et donner l'amour de la patrie aux Congolais. Nous allons passer à un point vraiment très sensible parce que dernièrement, nous avions appris qu'il y avait des histoires, des documents qui s'obtenaient à Yeovil. On a posé la question à monsieur l'ambassadeur lors de nos interviews. Il nous a parlé qu'on soit calme. Où est-ce qu'on en est avec la chasse aux contrefacteurs? Moi, je pense que ça a commencé déjà parce que vous savez que notre visa, maintenant, on a changé. C'est maintenant les stickers. D'abord, c'était les stamps. Okay. Où beaucoup de gens se faisaient l'argent avec des faux visas. Ça, c'est déjà un bon. Oui, il y a un ami à moi qui était à la frontière de Kasumbalesa. Mm-hmm. Il a trouvé beaucoup de passeports comme ça confisqués avec les fake visas. Mais maintenant, les visas, c'est difficile de pirater. Les tenants liés, on a changé aussi. Les cartes consulaires, il y a des mesures de sécurité maintenant. Nous allons demander à notre population, ça ne sert à rien d'aller donner l'argent dans les cybercafés. Les gens se complaignent, oh non, qu'on fout un transport à Okene Pretoria, 250 rennes, pour déposer les documents. Et après, maintenant, après 48 heures, au Baïngui Osusu, 250 rennes. Et au Sengi congé dans Moussala deux fois. C'est pourquoi Convenance Speed Service est là. We will queue for you. Contactez-nous. Ceux qui demandent la présence physique, vous venez seulement, on vous voit, vous faites des captures, vous rentrez. Les restes, nous, on va s'en charger. Okay. Donc, nous encourageons nos frères d'avoir les vrais documents pour soutenir aussi l'ambassade. Parce que quand il y a les deuils, quand il y a des problèmes dans la communauté, contribution. C'est à l'ambassade que l'ambassade assiste. L'ambassade est à molte, est à mining, est à la business mo basala akunate. Bosom baba document officiel et ambassade, la service et ambassade pour ambassade. Azo ape mon on va vous aider dans la communauté. Donc il y a une certaine accalmie de ce côté-là. L'ambassadeur a promis, il est en train d'acter. Donc, aux fauteurs de troubles ou bien aux fraudeurs, qu'ils puissent se mettre en garde parce qu'il y a déjà le policier qui est déjà de retour, comme il a fait promis lui-même. Ah ouais, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire. Parce que ceux qui en payent le prix, ce ne sont pas les fraudeurs là qui font les documents dans les cybercafés. Ce n'est pas seulement Yeovil partout, même à Durban, Cape Town. Les grands bénéficiaires sont eux, mais le peuple bénéficie quoi? Quand vous lui donnez un tenant lié fake, qui n'est pas bien, il arrive à la frontière, on l'arrête. Il faut un côté prison, Bakangi, il faut qu'on pute à la pénalité. Il y a Mamsousou 10 000 rendes. J'étais avec quelqu'un, Bakangi, dans l'aéroport, dans le tenant lié à Mabé, Batien à Cachot. L'eau est à Zosé, dans 10 000 rendes pour avoir fait le dossier. Mais pourtant, tenant lié à Maram, l'ambassade, ils en ont pris, on a fait. Ok. Donc, ça évolue très bien. Moi, de toutes les façons, je voudrais aussi profiter de cette opportunité ici, de pratiquement remercier l'ambassadeur pour cette intervention qu'il a eu dans notre communauté, dans ma communauté Nandé. Nous avions perdu un de notre confrère ici qui vivait ici depuis longtemps, pendant 15 ans, où il n'avait pas de papier. J'ai aimé et je dis vraiment merci l'ambassadeur Binene pour on n'en croyait pas. Nous étions bloqués, oui, nous étions bloqués et nous avions été surpris. Et donc, nous vous disons, papa, merci beaucoup pour tout ce fait. Vous aviez supporté l'enterrement. Vous aviez vraiment contribué à l'enterrement de ces garçons-là. Même si la communauté aussi a fait quelque chose, mais vraiment, votre contribution a été d'une très, très grande importance. Et c'est pour cela que je profite de ce micro ici. Papa Gilbert, c'est votre plateau. Je profite ici pour vous dire merci au nom de la communauté. Je sais que je suis peut-être le porte-parole de la communauté. J'en profite pour vous dire merci. Si vous nous suivez, en tout cas, merci beaucoup. Et j'encourage même d'autres communautés à venir à l'ambassade parce que c'est vraiment, vous faites preuve à ce que l'ambassade appartient aux Congolais. Mais merci. Papa, pour ne pas vous couper le mot, vous n'êtes pas le seul. L'ambassade intervient pour toutes les communautés. Il n'y a pas une discrimination. Toutes les communautés bénéficient du soutien de l'ambassade à la mesure de leurs moyens pour intervenir.
L'ambassadeur, pour vous dire, il a réuni toutes les communautés, les leaders d'opinion, des sociétés civiles, pour leur dire, mettez-vous ensemble. Ouvrez une caisse, comme ça, l'ambassade aussi va commencer à vous soutenir. Commencez à faire les contributions pour que vous puissiez vous entraider. Le mal est que tous les Congolais veulent être leaders, tout le monde veut être au front. Jusqu'à présent, l'ambassade attend les comptes bancaires de la communauté pour que l'ambassade continue à aider. La communauté doit s'organiser. Mais ils veulent pas, on ne veut pas s'organiser. Tout le monde a un chef. Qui serait signataire. Mais je pense que nous aurons à parler ça dans une autre tranche. Mais vraiment, je crois que notre message de Banane est passé. Et donc, je voudrais justement qu'on revienne un peu sur le processus des documents à l'ambassade. Quel est le time frame pour qu'un document puisse sortir à l'ambassade? Par exemple, si vous introduisez, vous avez vos histoires le lundi matin, un lundi de la semaine. Combien de temps prend, par exemple, un tenancier? Maintenant, c'est écrit sur même le formulaire de tenancier. Même sur tout formulaire de l'ambassade, donne le time frame. C'est 48 heures. 48 heures. Si ça va au-delà de 48 heures, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a fait que, soit... network, soit quelque chose comme ça, mais officiellement, certains documents, ça dépend. Mmh. C'est 48 heures. Le mariage, par exemple, civil, c'est là où on donne 14 jours. Mais les autres, je sais que c'est 48 heures. Ah, donc, lorsque, par exemple, pour le mariage civil... C'est au moment où il faut informer, il faut au moins attendre 14 jours. OK. Je voudrais un peu vous poser la question, parce que vous êtes dans Covenant Speed Service. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent à propos de l'ambassade, qu'on n'atteint pas les gens au téléphone à l'ambassade. Notre ambassade a-t-il un numéro de téléphone? Oui, ça c'est vraiment un souci majeur. Nous avions eu ces complaintes-là, nos clients. J'ai demandé une audience avec son excellence. J'attends qu'on puisse me confirmer, mais j'avais parlé à son conseiller pour dire que que le quoi, le c'est qu'on appelle poor communication. Il y a poor communication, les numéros de l'ambassade sonnent, il y a personne qui répond, et alors il faut organiser le call center de l'ambassade où les gens peuvent atteindre l'ambassade facilement, et je pense qu'ils sont en train d'y travailler. Ok. C'est un souci majeur. C'est un souci, ça je dois vous le dire, c'est un souci. Quelqu'un peut appeler, il se fatigue, soit il vient nous contacter ou soit ils descendent eux-mêmes dans l'ambassade. So, voilà un peu. Voilà, Monsieur Gilbert, nous allons terminer donc notre entretien d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un souci, mais il y a un autre chapitre qui nous reste, c'est l'actualité en République démocratique du Congo, où nous avons maintenant un gouvernement. Le gouvernement a été installé au niveau du Parlement. Et puis, je ne sais pas, quelle est votre attente de ce gouvernement d'aujourd'hui en République démocratique du Congo? Non, le gouvernement, Madame Judith Suminwa, Toulouka, c'est un gouvernement de tout espoir. Hein. Tous les Congolais placent l'espoir sur ce gouvernement. Il y avait des warriors. Ah bon, toujours sur Tshisekedi. What went wrong, comme on dit? C'est pourquoi on nous a amené la dame. Une dame que je salue, une dame de fer, que je salue en passant. Les mamans ont ce cœur-là, hein, d'essayer de préserver. Et nous savons que avec le gouvernement sous Madame Judith, ça va aller. Et nous remercions aussi l'Assemblée nationale et puis le Sénat qui sera installé d'ici là. Nous leur demandons, ils doivent avoir à cœur les soucis du Congo. Ils doivent se souvenir que le pouvoir ici, c'est le pouvoir qui est issu de la lutte de Étienne Tshisekedi, qui luttait pour le peuple d'abord. Donc je pense que le gouvernement va travailler sur les impunités et travailler sur tous ces détournements ici qui sont sanctionnés, qui ne sont pas sanctionnés. L'argent disparaît, mais il n'y a pas les voleurs. Donc c'est un peu flou. Et nous savons que ça va aller et nous soutenons la dame. Et puis, à ce qui concerne ici en Afrique du Sud, vous savez, il y a eu des élections. Mm-hmm. Ramaphosa est reconduit et ils ont fait une coalition avec DA, les Blancs, le parti des Blancs. Espérons que les choses vont marcher bien. Et puis, le chef de l'État arrive ici, selon nos informations, le mercredi, pour participer à la prestation du serment. Ce que nous allons demander est que l'Afrique du Sud a voté le chef de l'État à 90%. Il nous fera, ça sera un grand plaisir s'il peut rencontrer la communauté.
partout. Ils rencontrent en Belgique, en Allemagne, en Éthiopie même, au Kenya. Et ici en Afrique du Sud, depuis que nous avons le chef est au pouvoir, il n'a jamais eu face-to-face avec la communauté. Vous savez combien la communauté, nous avions souffert ici. On a eu des arrestations de 22 Congolais en prison à cause des luttes pour le pouvoir ici. Et nous voulons que cette fois-ci, le chef puisse quand même honorer la communauté et puis avoir face-to-face avec la communauté. Ça nous fera un peu du plaisir. Il a eu à voir les gens en Belgique, partout, en France, Allemagne, États-Unis. États-Unis, en Angleterre, sauf en Afrique du Sud. Et on se demande pourquoi les gens commencent à dire que il y a un chef à en randonnée en Afrique du Sud ou bien Néli. Pourtant, Afrique du Sud, il y a un homme de Vota qui est Makassi. Non, voilà un peu. Donc, nous savons que cette fois-ci, mais ça, j'ai comme il a eu parce que je sais qu'il vous suit. Alors, il va faire violence, même une heure du temps. À mon communauté, à parler sur la communauté. Donc, c'est pas la communauté là qui est dans les bureaux, hein. La communauté, tout peuple, les mamas des marchés, tout ça, toutes les représentations, même soit Gwen Babatmion, mais les représentations des sociétés civiles, des partis politiques et des ASBEL qui représentent. Et puis, nous allons passer le message à nos communautés. Donc, voilà, votre dernier mot. Ah non, j'appelle à tous les Congolais d'être aux alertes, en alerte. Le chef sera là le mercredi. Nous ne savons pas quoi ça sera quoi le protocole, mais nous devons lui donner quand même un accueil là. Et nous demandons favorable, et nous demandons aussi à notre communauté, ceux qui avaient donné le nom pour les rapatriements volontaires, l'ambassade est à ça à cœur. J'avais demandé encore, reposé encore la question, et on nous a dit que il faut attendre, et ça va se décider à Kinshasa, le dossier est déjà à Kinshasa. Et puis, nos jeunes frères qui se sont transformés en Kuluna ici, Al-Qaïda, Banama Tongue, ils doivent stopper ces histoires-là. Ils sont en train de salir l'image de tout un pays dans ce pays ici. S'ils veulent rentrer au Congo, comme les autres nous ont contactés, vieux, si quoi au Bahoué au Congo, Bahoué na Kanyama Kasese, Bahoué na société civile, biso va abandonner, biso boue. Quand l'ambassadeur va me recevoir en audience, nous avons demandé, nous allons parler, savoir ceux qui veulent rentrer, parce que kokata machette, kosala boue, koeskoke, koiba, c'est parce qu'ils n'ont pas affaire dans ce pays. Et la plupart sont sans papier. Au lieu qu'on les arrête, qu'on les mette en prison, l'ambassade commence à faire les démarches, il serait mieux, ceux qui veulent rentrer, Général Kasongo, que je salue en passant, Moussa Lossala, c'est un travail de titan. Alors, les Kulunas ne sont pas seulement au Congo. Pensez aussi aux Kulunas qui sont dans la diaspora, comment ils peuvent intégrer aussi Kanyama Kasese, et puis les rendre utiles à la société. Au lieu que Bazala Waboye, Bazo Kangabango, Bazo Kotanaba prison, Bamsou Bakomi mercenariat moins cher. Bah, si d'Afrique, bah, comment louer, bah, on va gagner ça, bah, crime. Bah, policier, même, bah, on va gagner ça, là, bah, dégâts. Nous, soit les autres qui t'en racontent, la communauté à Congo, sur la communauté congolaise, qui vit en Afrique du Sud. Et, des fois, on m'a fait ça, comme un abysso strict, non, bah, on parce qu'on dit qu'ils sont en train de fauter les troubles dans leur pays. Exactement. Donc, nous demandons, et puis, Son Excellence était au courant de ça, il avait réussi aussi certains de leurs représentants. Je pense qu'on est en train de travailler sur ça. Et puis, demander aux Congolais, il faut pas être Ngounder à vie. Vous allez vous réfugier for life. Parce qu'il y a effectivement ce dossier-là qui est sur la table que l'ambassadeur en avait parlé. Parce que nous avions vu ici la régularisation de papiers de certaines communautés, disons des Zimbabwéens et Angolais et tout ça. À quand pour les Congolais, tout le monde a Makambo et Kingunder. Non, je pense que j'aimerais assez que si l'audience la m'est accordée, vous pouvez m'accompagner aussi avec votre caméra et je pose des questions et vous allez écouter vous-même de la bouche autorisée. Mais le chef en est au courant et il est en train de travailler sur ça. Vous savez, cette turbulence, Azaz Congo, Azali, Sud-Africain, Azaboué. Ça a perturbé beaucoup de choses. Ça nous a retardé nous-mêmes. Ceux qui propageaient ce faux bruit-là, ils ne cherchaient pas à nuire seulement l'ambassadeur, mais c'est à nuire aussi à toute la communauté. Toute la communauté. Parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Voilà. Je pense que, bon, il est l'homme de situation difficile, hein. Ouais. Lui aussi. Voilà. Et puis, avant Namboko Okala, donc, Bon, Gilbert, t'as comme une souka, bon. Vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une question qu'on n'avait pas posée qui vous vient en esprit au conclure l'émission Oyoto, disons entretien à Bissot. Non, je salue les amis, je salue tout le monde. Je suis pasteur, j'aime tout le monde. Bon, je suis un peu comme Gilbert à Salaka. Au Tabala, il y a un tribalisme. Tabala n'est pas tribalisme. Nous avons les Kivuyet aussi, les associations, Katanga Yetu, nous avons Banama Tongue, nous avons l'association des ressortissants de Kasangulu, des ressortissants de Malibasi Manimba, c'est comme aussi Tabalaï. Mais je ne sais pas pourquoi, quand les autres se réunissent, c'est bien.
quand les Kassaïens cherchent à s'unir, tribalisme. Pourquoi deux poids, deux mesures? Donc, Batouba Bossana, Pasteur Gilbert n'est pas seulement pour les Kassaïens, okay. Je suis pour tous les Congolais. Quand il y a eu Covid ici, vous savez, Tabalaï a donné 170 parcelles, food parcelles à la communauté. Et je vous dis que ce n'est pas seulement les Kassaïens. Les habits qu'on a distribués de second hand à nos mamans qui vendent, on distribue même aujourd'hui, je vais de faire la distribution des 3 sacs. Des habits, des seconde main, comme on appelle, second hand, on a distribué aux mamans là qui vendent dans les marchés pour qu'ils puissent célébrer. Ce ne sont pas seulement les Kassaïens. S'il y a les Bangalas, il y a quelqu'un qui sollicite. Donc, Tabalaï, des fois, récolte ces histoires-là. Vous avez des beaux habits que vous ne voulez pas porter. Il ne faut pas aller donner dans les orphelinats sud-africains, dans les histoires. Venez, nous avons la communauté qui vend les habits second main. Nous n'allons pas vendre. Nous avons donné 3 sacs à cette maman-là. Papa Caro, chargé de développement, a donné d'autres sacs. Ce ne sont pas seulement aux Kassaïens. Vendez tout ça. Et nos dignitaires congolais qui sont en Afrique du Sud, pourquoi vous ne voulez pas vous approcher de votre communauté? Bokangami n'a pas 100 tonnes, n'a pas 4 ways. Bande de colombino basan a quatre cités à difficulté à libre absolument longue la monna misala ou en aboyé pour aller chercher les domestiques zimbabwéens malawites. Aidez vos employés, vos soeurs, si vous ne pouvez pas les atteindre, nous sommes là, la communauté, les cleaning service, vous en avez, Mama Tina, vous avez un cleaning service, mais ça va congolais misala, Papa Perro, vous avez des affaires, batunyo surtout au basan avocat ça va faire bon, nous allons soutenir la communauté, c'est pour votre bien. Égypte, na Égypte, tant Moïse a monnayé que, ben, on est bah on y a comment, à commettre des crimes. Mais bien comment beaucoup kangamis sur la communauté ils ont souffert, qu'aucun hôpital bah problème, bon bah la clinique bah docteur a, bon aider communauté, ouais à monnayer, à beaucoup qu'on se soigne comme il faut, et même prescription quoi qu'il ne voulait qu'ici. C'est vraiment bien. Donc à toutes les communautés, à tous les pasteurs, je bénis Dieu pour vous, apôtre Mike Luambo. Nous savons que vous avez organisé la prière pour le 30 juin, le 29 juin ici, dans les Fête and Victory. Votre église, nous allons venir là-bas prier pour le pays. Pour l'indépendance, c'est l'ambassade qui va nous communiquer quels sont les événements qui seront organisés. Pour le moment, on ne peut pas encore dire qu'est-ce qui va se passer le 30 juin. En tout cas, c'est mon plaisir, Germain Kayindo, le grand journaliste, consultant même Al Jazeera en Mokoyo. Merci beaucoup pour l'opportunité au Pessibisso pour nous amener dans la communauté. Parce que Gilbert ne peut pas Cape Town, Deben, passer par là, mais vous, c'est le monde entier qui nous suit. Voilà, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Donc, nous remercions encore Gilbert pour nous avoir encore accepté de venir parler, partager avec lui ces quelques petites informations que nous avions eues sur l'ambassade, le Congo et tout ce que nous avions parlé. Donc, portez-vous bien. Je vous demande encore une fois de plus, si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous nous suivez régulièrement, abonnez-vous sur notre chaîne Contact Pro Life. Nous avons besoin de vos abonnements. Alors, on se revoit très prochainement. Portez-vous bien. Au revoir.